Permettra à ces trois pays d'avoir un accès à l'océan Atlantique par le sud. On est en train de perdre pied, mais pire encore, ce sont un pays qui était allié de la France, qui est maintenant brouillé avec la France, un de plus. Comment notre diplomatie et la politique française, comment on peut arriver à faire de pareilles erreurs? Ça paraît incroyable. Côté du monde arabe, il y a toujours eu cette demande d'un rôle plus important de la France, d'un engagement plus important de la France, et cette attente de la part du monde arabe s'inscrit bien sûr dans une relation qu'on considère qu'elle est toujours porteuse de certaines spécificités et qui a beaucoup d'intérêts communs. Malgré certains moments de l'histoire, il y a eu des incidents fâcheux avec certains pays arabes ou certaines périodes de relations. Pendant très longtemps, la France a influencé le monde arabe. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est le monde arabe qui influence la France, notamment par l'islam, par l'islamisme et par le djihadisme. Le djihadisme, évidemment, change les comportements en France. Ce que vous dites, le monde arabe, c'est un sujet français. Aujourd'hui, 6 millions de personnes qui vivent en France ont un lien avec un pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient.